Coucou tout le monde. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo avec le carnet en question que j'avais fait pour vous montrer la couture japonaise. Et ce petit carnet que j'ai fait, c'est pour un concours. Le concours de... Attendez que je regarde. Tagada 83. Alors, je ne sais pas si on dit Tagada 83 créa ou... Tagada Créa 83. Enfin bref, c'était sur le thème fantasy. Donc voilà, donc j'ai fini, je l'ai fait, j'ai pris le temps de le faire parce que j'ai pas beaucoup beaucoup de choses sur le thème fantasy. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé. Donc je vais vous faire ma petite présentation. Alors, je suis en train de chercher comment je vais vous la faire pour que vous la voyez correctement. Donc, la couverture se présente comme ceci. J'ai mis dessus des découpes que j'ai fait à la main, que j'ai colorisées au feutre pour marqueur. C'est ce que je trouvais de plus approprié. Et j'ai mis dessus quelques petites touches de brillant, mais ça, avec la couverture, je ne sais pas si vous allez le voir. Et un petit thème là sur la fantaisie. Voilà. Donc je disais, mais en fait, je ne sais pas trop traduire ce qui est marqué dessus. Je crois qu'il marquait un nouveau monde fantastique de fées. Mais bon, moi je ne traduis pas trop l'anglais, tout ça, je ne connais pas trop. Enfin bref. Donc je vais vous faire voir donc ce que j'ai fait. Donc voilà. La première page, j'ai mis la fée Clochette avec des petits papillons comme ça, des papillons, c'est des espèces d'autocollants, hein. Alors les lignes ici, ce sont des comment je vais dire, c'est des petits rouleaux comme ça, c'est pour mettre sur les ongles pour décorer les ongles. Et moi je trouvais que c'était super joli sur on peut s'en servir, les détourner, puis faire voilà des choses avec. Là, un petit napperon que j'ai tout le tour, je sais pas si vous voyez bien, que j'ai ah, ça y est, attendez, j'ai un trou colorisé, voilà, tamponné, colorisé, un petit cœur. Là, j'ai fait des découpes de dies avec des dies, et entre quelques-uns, j'ai mis des petites perles. Donc là, c'est le thème vert. J'ai fait sur le thème coloris. Ici, j'ai fait sur le thème rouge. Là, ne me demandez pas le nom des petites fées parce que moi, je ne les connais pas. Donc là, pareil, hein, j'ai repris le même. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, le ruban est rouge. Je ne sais pas si vous avez la colorisation. Moi, je l'ai bien, mais vous, peut-être comme ça, en rouge. Voilà. Donc, je me suis amusée à quadriller comme ça. J'ai mis des petites perles fleurs. Là, toujours le petit napperon avec la colorisation, des petites perles sur mon dit découpé. Alors, les petites fées, je les ai colorisées avec les feutres pour marqueur parce que j'ai toujours pas reçu mes crayons. D'ailleurs, j'ai dû faire une réclamation. Amazon m'a remboursé et m'a refait la commande parce qu'ils se sont perdus en route. Ça, c'est une petite parenthèse. La fée bleue. Je l'appelle comme ça, vous savez sûrement le nom, moi je sais pas. Là, j'ai mis des petits champignons que j'ai aussi colorisés, mais avec des feutres couleur pailletée. On voit pas trop à la caméra, c'est dommage. Sur le thème bleu, donc toujours avec des coupes de dies, les petits napperons colorisés. Et je sais pas si vous voyez sur les bords comme ça. Hop, ici là, c'est colorisé aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien. Il y a un peu de colorisation entre chaque carreau. Là, sur les bords aussi. Et j'ai toujours resté dans le thème de... Par exemple, là, c'est vert, ça fait un peu mousse. Mais je ne sais pas si on le voit bien. Dans les traits, ça fait mousse aussi, là. Donc, on est à la page bleue. La page, hop, jaune. Alors jaune, j'étais un peu embêtée parce que j'avais pas trop de choses en jaune, bien que c'est ma couleur préférée. Moi, j'adore le jaune.
Donc, pareil, le petit napperon avec la colorisation autour, la petite fée, toujours avec les points marqueurs. Là, j'ai mis des petites horloges sur un papier doré. Là, j'ai essayé de faire une petite étoile, toujours avec les petits fils d'ongles. Et j'ai essayé de. Mais là, le jaune se voit moins, ça se voit un peu moins. Là, peut-être, ça se voit un peu plus. À la caméra, c'est difficile à faire voir. Mais c'est poudré jaune et là j'ai essayé de le faire à l'intérieur un peu. Et la dernière, enfin l'avant-dernière page en violet. Je sais qu'elle est connue celle-ci, mais alors moi le nom, hein, je vous dis. Hein. Donc là par contre on voit bien que c'est colorisé ici, légèrement colorisé. Alors toujours avec une découpe de die. Là il y a un petit cœur qui ressort. Donc là c'est ton mauve. Là donc là c'est pareil, je me suis amusée à faire les petites lignes comme ça avec les. C'est très 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 fin. Je vous montrerai avec des petites perles donc. Et la dernière page. Alors, la dernière page, j'ai fait des petites découpes de champignons colorisées au. Là c'est des feutres pailletés métallisés. Voilà. Et là, c'est un pochoir que j'avais reçu de chez AliExpress. Je le trouve super joli. On voit bien les arbres. Il est magnifique. C'est ce pochoir-là. Hop, que je vous avais montré une fois. Voilà. Ce pochoir-là, ici, on le voit mieux. Voilà. Et là, j'ai pris le fond. Là, c'est une peinture de chez Lidl. C'est une peinture, je mets sur pause 2 minutes et je vais vous la chercher. Donc, je vous disais, c'est de la peinture. À un moment donné, ils faisaient ça chez Lidl. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais acheté, j'avais dit ça peut me servir. Alors, il y a du blanc, comme ça. Il y a du jaune. C'est de la peinture acrylique. Hein. Il y a du noir. Du rouge. Ah! Là, du rouge ayant un bleu. Donc, comme il n'y a pas de vert, ben, j'ai fait mes mélanges et j'ai fait mon vert moi-même pour avoir le. Puisque moi je voulais un fond, oui, un fond vert derrière mes arbres. Et j'ai réussi à faire un fond vert mousse. J'ai trouvé ça super joli. Voilà. Donc, oui. Je voulais vous faire voir les petits produits pour les ongles, comme je vous explique. Hein, c'est très très petit, hein, c'est tout petit, c'est comme ça. Voilà, je vais vous faire voir. Il y a, je ne sais pas, je ne sais plus combien. Enfin, il y a vraiment une gamme de rouleaux impressionnant, quoi. Hein. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Je n'ai jamais compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Il y en a 30. Il y a 30 rouleaux. 30 petits rouleaux comme ça. C'est très très fin. Je vais essayer d'en sortir un pour vous faire voir l'épaisseur. Donc il faut y aller tout doucement. Oui, voilà, c'est ça. Là, je ne sais pas si vraiment sur moi peut-être. Même pas. C'est extrêmement fin, c'est tout petit, ça se met sur les ongles, et moi je les détourne pour mettre sur mes cartes en fait pour avoir justement ce résultat-là. Voilà, c'est ces petits fils-là que j'obtiens là-dessus. Alors, pour mes petites fées comme ça, je n'avais rien, j'avais pas de tampon, j'avais rien, je ne savais même pas si ça existait. Donc, moi j'ai trouvé ceci. Ça, j'ai trouvé ça chez Noz, mais il y a déjà pas mal de temps. J'avais trouvé ça. C'est un blog, c'est Mandala, c'est pour faire des colorations en fait. Hein. Voilà, ça se présente comme ceci. Et moi, ben, j'ai pris j'ai tout simplement découpé les petites fées que j'ai colorisées. Donc voilà, donc c'est du tout fait main. Et. Ça me donne donc ce joli petit livret.
qui fera donc partie du concours pour Tagada 83. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à finir le reste parce que je ne vais pas, sûrement pas lui envoyer que ça. Je vais lui faire une carte, tout ça. Et mais enfin, c'était pour vous montrer qu'avec certaines choses, forcément des produits trouvés chez Action, des produits trouvés ailleurs, on peut détourner des choses et puis faire de jolies choses avec. Voilà, sur ce, ben écoutez, si vous avez aimé, pardon, excusez-moi, ma vidéo, je vous remontre mon petit livret. Si vous avez aimé ma vidéo, vous me mettez un petit pouce, enfin, c'est pas une obligation. Si vous n'avez pas aimé, vous ne mettez rien parce que voilà quoi. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon 15 août et ben, je vous fais des gros bisous à tous. Bisous et n'oubliez pas mon concours. Bisous, bisous.